Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour cette autre édition de Digital Sport de ce vendredi 30e jour du mois de juin l'an 2023. Une journée où la République démocratique du Congo fête son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les bonnes fêtes donc à tous les sportifs qui sont en ce moment branchés sur Digital Congo Télévision. Tout naturellement, cette édition va s'ouvrir par l'actualité qui concerne le football. Et vous le savez, les tournois de football consacrés au moins de 20 ans, dénommé Fatih Cup, démarre déjà ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quatre pays vont y prendre part après les désistements du Tchad et du Cameroun. Il s'agit donc de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la République centrafricaine, mais également du Gabon. Et en ouverture, les Léopards de la République démocratique du Congo de la catégorie seront opposés. Vous avez le tableau d'affichage sur vos petits écrans aux Panthères du Gabon. La République centrafricaine en seconde rencontre va jouer contre la République du Congo. Les quatre entraîneurs au total étaient en conférence de presse avant match ce vendredi au siège de la Fédération congolaise de football association. Je m'en vais vous proposer de suivre tour à tour les entraîneurs de la République démocratique du Congo et du Gabon. Nous avons fait une très bonne préparation et nous pensons que les joueurs ont entendu ce qu'on vient de dire. Et je pense qu'on parle seulement pour montrer au pays qu'on est prêt pour mouiller les maillots et donner la joie au pays, au public. Donc, je crois qu'on fait tout pour gagner cette coupe, mais c'est pas tout. Je crois que les events dans l'histoire, il n'y a rien pour le moment. Et nous voulons montrer les talents que nous avons dans ce pays. Nous sommes préparés, nous sommes améliorés aux conditions. On n'est pas là pour faire des excuses. Nous sommes prêts. Nous avons tous les staffs en place. Et je pense que nous sommes prêts pour la compétition, donc il n'y a pas de problème de notre côté. Nous n'allons pas faire des excuses, on va montrer au terrain ce qu'on a fait dans ces rassemblements. Nous avons une intention, c'est seulement pour gagner. Nous sommes chez nous et nous voulons rendre notre public joyeux. Donc, pour gagner, c'est tout pour nous. Pour les A, ils ont l'air compétition et ça nous a amené beaucoup de joie dans ce pays. Et je pense que si les jeunes s'appliquent demain, ils gagnent, le public sera très content. Nous sommes là, nous sommes en train de mettre sur pied une nouvelle équipe de la catégorie. D'accord ? Donc, pour nous, aller le plus loin possible serait bien, mais le plus important, c'est déjà d'avoir une équipe compétitive. Voilà le premier objectif. Maintenant, chemin faisant, si nous réussissons à glaner des points, parce que nous n'aurons pas calculé nos chances, eh bien, nous allons gagner le plus de points possible vu que la forme ou la formule, elle a changé. C'est toutes les équipes, sinon tous les pays qui s'affrontent. Et au finish, on fera des comptes. Donc, le Gabon reste dans la course, comme tous les pays. Mais le Gabon a contrairement aux autres pays pour premier objectif d'avoir une équipe de jeunes compétitive.
comme en face de moi est certainement le sélectionneur de Léopard, vous l'a dit, il reste confiant vis-à-vis de son groupe. Après, la réalité du terrain, personne de nous ne maîtrise. Donc, attendons de voir. Je vais donc répondre à cette question 90 minutes durant. Et en ce qu'on rencontre de ce tournoi, pour ce qui concerne la première journée, la République centrafricaine affrontera donc la République du Congo. Je vous propose de suivre tour à tour les deux entraîneurs des équipes récitées. Il s'agit de la République centrafricaine et de la République du Congo. Le match, il est un match normal comme tous les matchs. Sauf que dans ce contexte-là, c'est un match de préparation. Parce que nous sommes venus préparer notre équipe à la compétition qui va se jouer ici, la francophonie. Nous avons commencé notre préparation depuis Brazzaville. Nous avons pensé que c'était le bon moment pour venir faire des matchs avec nos frères nations, les nations frères, pour regarder ce que nous avons eu à préparer, si ça aboutit à quoi, regarder nos faiblesses et nos forces sur la compétition. L'emporter, c'est le rêve de toutes les sélections qui sont arrivées là. Toutes les sélections envisagent ou rêvent d'emporter la première édition. Mais nous ne sommes pas venus en favori. Nous sommes venus faire école aussi. Nous sommes venus regarder ce que nous sommes aujourd'hui et ce qu'on était hier. N'empêche que nous sommes compétitifs. Et nous allons jouer. Nous allons jouer. J'aime l'équipe. On a eu à travailler. Il a dit là un œil des autres. Parce que parmi mes joueurs, il y a au moins 10% des anciens. Pour nous, le moral est au beau fixe. Pour l'équipe du Congo, on a eu à jouer contre cette équipe-là. À la phase finale de l'UNIFAC chez eux, et aussi à la phase finale de la CAN en Égypte. Donc, personnellement, je connais bien cette équipe. Voilà, donc, je sais de quoi nous sommes capables. Notre ambition ici, c'est de rendre populaire et plus trophée. C'est ça notre ambition. Et donc, ce tournoi de football de moins de 20 ans va se poursuivre mardi. Pour le cours de la deuxième journée, ce sera donc le 4 juillet. Deux rencontres sont également à l'affiche. La République démocratique du Congo offrira son hospitalité à la République centrafricaine. Et le Gabon matchera la République du Congo avant de se clôturer pour le cours de la troisième journée, le 7 juillet prochain. Dans un autre registre d'actualité sportive, maintenant, le Premier ministre Sam Amoukondé, accompagné du ministre des Sports François-Claude Kaboulo-Manakaboulo et celui des infrastructures Guy Sarro, a visité jeudi les différents sites de vente accueillir les 9e Jeux de la francophonie afin de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. C'est un reportage plutôt de la cellule de communication du ministère des Sports. À 29 jours du début des hostilités, tous les projecteurs sont braqués sur les infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu de la francophonie, accompagné par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Manakaboulo, et celui des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro. Le premier ministre Jean-Michel Samalokonde a visité le site du Stade des Martyrs de la Pentecôte et Père Raphaël pour palper du doigt de l'avancement des travaux. Le chef du gouvernement a commencé sa visite au gymnase jumelé où les travaux sont quasiment finis avant de faire un tour au terrain annexe. Ici, François-Claude Kaboulo-Manakaboulo va constater l'absence des lampadaires qui vont permettre aux délégations de s'entraîner même la nuit. Au stadium de basket, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a constaté que les travaux sont fin prêts et c'est avec satisfaction que la délégation va prendre la direction du site Père Raphaël de la Kétule. Sur place, le Premier ministre s'est rendu compte que le travaux avance à pas de tortue. Mais le directeur de l'entreprise T4H a rassuré au chef du gouvernement que les maisons préfabriquées vont accueillir les délégations au plus tard, le 15 juillet prochain. Mais les terrains de football pourraient prendre 2 ou 3 jours de retard avant que tout ne soit prêt. Le chef du gouvernement s'est montré rassurant à la fin de cette visite. Et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes.
sur le travail qu'ils doivent accomplir. Nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis, par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son expérience, M. le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec les ministères, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Pour booster les mentales des travailleurs, Jean-Michel Samalokonde a promis de revenir la semaine prochaine pour s'assurer que tout se passe bien et que les Jeux vont se tenir aux dates prévues. On va parler maintenant de Cédric Bakambu, ce sociétaire de l'Olympiakos qui finalement va poser ses valises à Al-Nasser de Dubaï. La nouvelle a été confirmée sur le compte Twitter du club jeudi, après donc une très très belle saison à l'Olympiakos avec un titre à l'arrivée des meilleurs buteurs, 18 réalisations de championnat. Bakagol, comme on l'appelle, s'engage libre avec les Bleus d'Al-Nasser. Encore les informations des Daily Mercato, les Congolais, son nouveau club, se sont engagés pour 3 saisons pour un salaire de 3,5 millions d'euros par an. Il faut signaler que le club n'a pas à révéler le montant d'achat de Cédric Bakambu. Le secrétaire général du CONOR, Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football d'association, a été face à la presse jeudi dans la salle des réunions donc de la Fédération congolaise de football d'association. Innocent Kimundulu Kantouré, certains membres du CONOR, a évoqué l'Assemblée générale élective de la FECOFA attendue dans les mois qui suivent, avant de placer un mot sur les questions de l'actualité et de l'heure. Je vous propose d'écouter Innocent Kimundulu. À cette convocation est jointe ou une première la marque d'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football association FECOFA en cycle, avec l'extension du nombre des clubs participant à l'Assemblée générale qui passe des 4 dans les anciens statuts aujourd'hui à plus de 30 clubs à l'Assemblée générale de la FECOFA, avec une présence accrue de plusieurs acteurs du football, du sport roi. Je vois là les entraîneurs, les arbitres, ainsi que d'autres corps de métier vont s'y prendre part, les habitués, les traditionnels représentants de nos ligues provinciales. Et cette assemblée aura un ordre du jour axé principalement sur l'élection, disais-je, des membres de la commission électorale ainsi que de la commission de recours. Nous voulons que ces élections soient non seulement transparentes, mais aussi au maximum inclusives. Vous avez déjà la liste des candidats. Vous allez vous rendre compte qu'à la présidence, il y a eu 3 candidats. Comme vice-président, il y en a eu 6. Au secrétariat de la commission électorale, il y a eu 2. Et comme candidat membre, on a répertorié 16 membres, 15 membres, dont un membre suppléant. Tandis qu'à la commission de recours, on a enregistré comme candidat président 5 membres, vice-président 1 seul, comme membre 6. En tout, c'est 12 membres sur les 3 qu'il faut. Et oui, ce communiqué de presse, la Fondation Ngakia, Fondation chère à l'international congolais Jérémy Ngakia, annonce donc la suite de la tournée, lancement des visites des équipes de Kinshasa et des distributions des équipements sportifs pour les débuts du mois de juillet 2023, toujours dans le cadre de ses objectifs d'apporter un soutien, un encadrement aux jeunes footballeurs et mettre en avant le football congolais. Ceci n'est pas une première ou dernière fois, car plusieurs équipes de Kinshasa ont déjà été bénéficiaires des équipements de qualité pouvant leur servir d'entraînement, matchs officiels et autres tournois pour être enregistrés. Ou plus de détails
il faut contacter les coordonnateurs de la Fondation Hardy Kibungu au 081 194 39 13, ensemble avec la Fondation Kakia, contribuant au développement du football congolais. Dans un autre registre d'actualité sportive, on va parler donc de la 27e édition des championnats nationaux de karaté qui s'est poursuivie et qui se sont clôturés ce vendredi en Bandaka, nous sommes dans l'Équateur. Il faut dire que cette première journée a vécu jeudi dans les installations de l'ISP Mbandaka. Oui, l'IPNA provinciale prend activement part à cette compétition et la province hôte pour une première participation ont fait bonne figure et donc se trouve parmi les prétendants sérieux au titre. Un reportage, nos confrères de la cellule de communication de la Fédération des Karatés. Provinces ont pris part active au démarrage des 27e championnats nationaux de karaté do ce jeudi dans l'amphithéâtre Les Profs Jim Damanida de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'objectif est de pouvoir garder les titres conservés le plus longtemps possible. C'est pour aller jusqu'aux instances internationales, pour pouvoir faire la fierté de la RD Congo, qui est notre pays. La première journée était consacrée aux préliminaires. L'Équateur, province hôte, a jusque-là affiché une bonne image pour sa première participation. Les sites de l'ISP Mbandaka a vécu une ambiance particulière. Les karatékas locaux ont bénéficié des soutiens sans faille de leur public. Dans une salle mouvementée, ils ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Les néophytes ne comptent pas s'arrêter à mi-chemin. Pour ça, les karatékas Mbandaka à la main. Si le lot notre bunda il va championnat. Présent les championnats à Bissau à Liboso, l'Équateur, puis occasion à Bissau Bana Mandaka, de tout ça l'Ipéango. Objectif Nangaï, la championnat au Banana et Kiango, Nazan Béjun, Nasuka en la mondiale. Il faut qu'on ait un champion du monde. Parmi les Congolais, et puis de plus, l'Équateur, Mboka Nangaï, la même outil Nasuka. De la province de l'Équateur, du sud Ubangi, du Haut-Katanga, du Congo central, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Kasaï va succéder à Kinshasa, vainqueur de l'édition précédente. Le rendez-vous pour les finales est donc pris ce vendredi 30 juin 2023 pour les combats de finale. Toujours avant cette 27e édition des championnats nationaux de karaté qui se déroule à Mbandaka. Le président de la FECACO s'est entretenu avec le ministre provincial des Sports. Avec lui, il a donc évoqué les questions relatives à l'avenir du karaté dans cette province. Le but étant de le voir se pratiquer partout dans ce coin du pays. Je vais proposer des sous-vêtements à tout le ministre provincial des Sports dans l'Équateur et Freddy Lacombo, président de la FECACO. Les gestes est louable et ça va tout droit au cœur parce que c'est d'abord les fils maison, les natifs de la province de l'Équateur. Et pour la première fois que la province de l'Équateur reçoit ces grandes activités, ces grands faits des sportifs, ça fait que nous réjouit. Et sa présence au cabinet, ça nous a permis d'avoir l'éclairage des autres informations qu'on n'avait pas, on venait de l'avoir et nous pouvons dire que merci. Concernant la bande à Équateur, la jeune nous sur Équateur, ma karatéka, et le rôle de la présidente nationale Aza Awa sur place, et un moment où elle va profiter. Va profiter parce qu'au mois de juillet, et aux en championnat international, va profiter de la présence de l'expert qui pour que va compétir convenablement pour que le bio après lobby pour retrouver vraiment l'équipe nationale pour évoquer l'Afrique. Je suis venu comme d'habitude présenter mes civilités à l'autorité des sports de la province de l'Équateur, son excellence Monsieur Alain Elodji, qui nous a bien accueillis depuis que cette compétition a commencé. Toutes les délégations qui m'ont précédé ont été bien accueillies et ils m'appartenaient. Aujourd'hui, après mon arrivée hier, de passer, présenter mes civilités et remercier de vive voix l'autorité provinciale, représentée par son excellence M. Alain Lodi, ministre des Sports, de tout ce qui a été fait, de l'accompagnement et du succès qui s'annonce déjà de ces championnats nationaux ici à Mbandaka. Nous sommes en train de le dire ici sans rien d'être contredit que la province de l'Équateur a été à la hauteur comme toutes les autres provinces
l'ont fait auparavant. Et nous sommes en train, devant Son Excellence, Monsieur le Ministre, en train de dire que les choses se passent très bien. Et le partenariat ou la relation entre le gouvernement provincial de l'Équateur ainsi que le bureau de visite de la Fédération est au beau fixe. Basketball, à présent, Léopard Basket ont affiché complet ce vendredi au cercle Elaïs où ils ont érigé leur quartier général avec 4 rescapés de la campagne malienne. Pichu Kambouyi, c'est l'un d'entre eux et a pour mission d'accompagner les nouvelles arrivées. Il a dit au cours d'un point de presse que la cellule de communication de la FEBACO a organisé jeudi dans les heures de la matinée. Je vous propose d'en suivre cet extrait. Comme tel que je le vois. Alors, on est en train de travailler avec complicité des coachs. C'est-à-dire qu'on est là. Je vois que pas mal, on a une belle groupe où on peut s'adapter de défendre notre titre par rapport aux préparations qu'on fait ici. Je ne peux pas aller loin par rapport à ça parce que nous, on continue à travailler. Nous, on continue à travailler en tant que joueur. On est là. On va compléter coach par rapport à ce qu'il va nous donner. Mais nous, on vient de terminer le championnat. Nous, on n'a pas encore, moi, je n'ai pas encore terminé le championnat. Il y a les autres qui ont terminé le championnat. Alors, on est obligé de s'adapter à ce que coach va nous donner pour garder défendre notre nation. Ça, c'est la maison. On est obligé d'avoir de donner les meilleurs de moi-même par rapport à ce qu'on donne en Afrique. Parce que, oui, c'est vrai que j'étais absent à l'équipe nationale, mais j'ai continué à travailler dans le club. Je suis obligé de donner ce que je peux donner, un petit plus pour que l'équipe aille à l'avant. Il faut toujours avoir pression parce que vous avez le titre. Il y a une pression pour le défendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une pression pour lâcher ça. Je suis obligé là, d'être là pour pousser mes collègues pour que nous défendions ça. C'est ça la pression que j'ai. On n'a pas une autre pression, on va les motiver. Et le même esprit que nous, on avait en 2019, c'est le même esprit qu'on va amener maintenant. Je pense que c'est ça. Je ne peux pas avoir pression pour lâcher ça. On a l'impression pour gagner encore. Et on va clôturer donc cette édition des Digital Sport plutôt par cette page rose. Joseph Batty, journaliste au desk sport des Digital Congo, s'est marié religieusement jeudi à Bukavu dans la province du Sud Kivu à Madame Nathalie Imani Badera. Après les étapes de mariage coutumier et civil, la célébration nuptiale s'est déroulée dans la paroisse Sainte-Thérèse de Bouriba, et ce, en présence des dizaines de personnes, membres des familles, amis, frères et sœurs, mais aussi des connaissances venues, souhaiter la bienvenue dans la cour des grands au nouveau couple, sentiment que tous réunis comme un seul homme à la rédaction des sports des Digital Congo, lui exprimons félicitations donc à Joseph Batty. Et bonne soirée à Bukavu dans le Sud Kivu, dames et messieurs. C'est la fin de cette émission des Digital Sports. Merci de l'avoir suivi avec autant de sympathie, avec beaucoup de plaisir. La rédaction des sports vous retrouve à 19h de Kinshasa ce samedi pour une autre session d'actualité des sports sur l'écran numérique. Au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.